La statuaire primitive de l'ouest du Népal est le fruit d'une collaboration entre quatre passionnés de l'Himalaya qui se sont rencontrés au Népal, Jean-Luc Cortès et Jean-Claude Brésillon, ainsi que Gilles Henri Garot et Paul-Henri guermont -Pré. Leur connaissance des populations locales, de leurs coutumes, de leurs croyances, de leurs langues, est le fondement d'une compréhension intime des objets d'art qu'elles produisent. Cet ouvrage tente simplement d'apporter un éclairage nouveau sur cette statuaire chamanique. Il met en évidence des points précis et présente le plus souvent un éventail de réponses possibles parmi lesquelles le lecteur pourra choisir selon son intime conviction. Son objet est de transmettre aux amateurs l'incroyable vitalité de cet art et la puissance de son rayonnement sur l'environnement dont il est issu. Il fournit également une abondance de données techniques. Si une compréhension plus approfondie de ces statuts naît de cette approche, cette publication aura atteint son but.